Il y a du pixel dans l'air et il y a de la belle musique derrière. Derrière ce jeu qui, ma foi, est un petit peu un petit coup de folie pour moi. Moi qui n'ai pas l'habitude de jouer à ce genre de jeu, j'ai acheté ce Jamestown sur Steam avant-hier en promo. Donc n'hésitez pas, hein, regardez, toutes les 24 heures il y a des promos sur Steam en ce moment, là pour l'été. Ça vaut vraiment le coup. On trouve certaines licences à moins 80%. Des jeux qui coûtent d'habitude 30 à 60 euros sont disponibles à moins de 6 euros la plupart du temps. Des fois à 2 euros. Enfin, c'est vraiment. En gros, vous pouvez vous faire une sacrée collection de bons jeux pour l'été pour moins de 15 euros. Moi, je sais que là actuellement, j'en suis à 8 euros de dépenses et j'ai dû acheter au moins 6 jeux. Enfin, 6 jeux, j'abuse un peu. 4 jeux. 4 jeux. 4 bons jeux, dont ce Jamestown qui est un shoot'em up. Alors je n'ai pas du tout l'habitude de jouer au shoot'em up. J'ai fait quelques shoot'em up dans ma jeunesse, mais je ne suis pas du tout un amateur ni un professionnel des shoot'em up. Et pourtant j'ai été tenté par ce Jamestown. D'une part par son prix, vous voyez que ça marche hein, de faire des jeux pas chers, mais d'une autre part par son univers un petit peu étrange. C'est à la fois un univers, ça se passe dans l'espace, mais à l'époque des conquistadors. Et aussi j'ai été séduit par ce pixel art, donc c'est un jeu qui se fait tout en pixels. J'aime beaucoup, j'aime bien le pixel art, j'aime bien les jeux un petit peu rétro, j'aime bien les pixels propres en fait, quand la 2D donne un très bon rendu artistique, et là ça avait l'air d'être le cas, donc on va un petit peu regarder ce qu'il en retourne. C'est un jeu qui est édité par Final Form Games, c'est sorti en 2011, donc c'est dispo sur Steam, ça coûte je crois environ 9€ en neuf, et moi je l'ai payé 2€ et quelques. Voilà, donc on va mettre Start Game, donc c'est un shoot'em up classique, mais avec, vous voyez, une map assez... old school dans l'âme. De toute façon, tout le jeu est old school dans sa façon d'être. On a des niveaux ici, et chose intéressante, c'est que pour avancer dans les niveaux, on va avoir une jauge de difficulté. Donc, je vais prendre le premier niveau. Vous voyez, donc on a la jauge normale, difficile, légendaire, divin et jugement. Le dernier stade, on va le débloquer bien évidemment lorsqu'on aura fini le mode divin. Mais c'est-à-dire que si je commence le genre normal, je vais faire le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième. À partir du troisième, on va me demander, attention, si vous voulez continuer, passer au quatrième niveau, vous devrez recommencer le 1, 2, 3 en difficulté difficile. Donc on recommence, on refait les niveaux qui sont pas très longs, c'est un petit défaut je pense sur le jeu que j'y reviendrai tout à l'heure. On refait le niveau 1 en difficile, le niveau 2 en difficile, le niveau 3, ou même avant quoi. On arrive au niveau 3, ils nous disent attention, si vous voulez continuer, vous devez faire le truc en légendaire. Et ainsi de suite. Et pour débloquer bien évidemment le dernier niveau, on devra faire le jeu en mode jugement. Et laissez-moi vous dire que c'est pas facile du tout. On va commencer le jeu, donc on va aller sur le premier niveau et on va le faire directement en mode difficile. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs en local, donc c'est super intéressant sur PC. C'est pas mal, hein, si vous avez des potes qui viennent à la maison régulièrement. Allez-y, éclatez-vous, sachant qu'on peut jouer à la fois au clavier, à la souris et à la manette. Donc vous branchez deux manettes Xbox sur le PC, un clavier, une souris et allez-y, walou. Peut-être que certains vont se sentir un petit peu lésés, notamment les gens qui vont devoir jouer au clavier. Parce que mine de rien, le contrôle à la souris est pas dégueu, même si le contrôle à la manette Xbox 360 est fortement recommandé. Chose que je fais actuellement, hein, je joue avec une manette Xbox 360. Voilà, on lance le jeu, donc on a trois tirs, le A qui est un tir normal, le X qui est un tir spécial, et le B qui s'appelle le Vaunt. Le Vaunt, c'est un bouclier, et c'est sur ça que repose l'essentiel du gameplay de ce Jamestown. On a le droit de choisir des vaisseaux, j'en ai acheté deux autres. On gagne de la monnaie dans le jeu avec laquelle on peut acheter des objets, des upgrades pour ces vaisseaux, mais aussi des vaisseaux supplémentaires. On a le Beam, le Charge et le Bomber. Les trois sont assez intéressants, bien que je garde une préférence pour le vaisseau de base, qui est le Beam, que voilà, je vais vous montrer. Au niveau du scénario, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu est intégralement en anglais, donc j'ai fait l'effort, moi, de mon côté, de lire un petit peu le scénario. On se retrouve dans la peau d'un conquistador. Les conquistadors viennent de découvrir Mars. Oui, me demandez pas pourquoi, c'est assez space. Vous voyez derrière, il y a des vaisseaux volants, il y a à la fois une ambiance 16e siècle, mais aussi un côté industriel assez forcé. C'est assez steampunk dans l'âme. Mais c'est pas sans me déplaire. Je vais passer très vite les dialogues parce que je vais pas vous imposer une lecture de texte en anglais, ça risque de prendre trop de temps dans cette vidéo et c'est pas mon but.
Je vous laisserai découvrir le scénario, bien que ce dernier ait tendance à un petit peu passer à la trappe. Ici, c'est assez drôle, donc on a les titres. Chapitre 1, la guerre au-dessus de la frontière Est, dans laquelle on va se battre contre un boss et dans laquelle va apparaître un ennemi super abusé. Il y a beaucoup d'humour dans le jeu. Donc vous voyez, donc, je contrôle mon vaisseau assez old school de gauche à droite. J'ai mon tir principal comme ça qui envoie une bonne nuée. Les ennemis, à chaque fois que je les tue, récupèrent comme ça des pièces mécaniques en fait. C'est un petit peu des anneaux comme dans Sonic, mais réellement ce sont des écrous, des boulons, des rouages. Des pièces, parce que les ennemis ce sont des robots extraterrestres. Et lorsque j'aurai accumulé assez de pièces mécaniques, je vais pouvoir... mourir, non, je vais pouvoir, ça c'est mon tir secondaire, hein, un tir continu qui ne m'use aucune énergie, donc on peut spammer à volonté. Lorsque j'ai récupéré assez de pièces, vous voyez en haut à gauche, sous Player One, j'ai une barre qui s'appelle, une barre bleue là qui augmente, et qui augmente en fonction des pièces que je récupère. Vous voyez, je peux utiliser le Vaunt en haut, le Vaunt c'est le bouclier. Le bouclier va me protéger pendant un court instant, vous voyez, des bombes, mais aussi me booster. Mes attaques, vous voyez, mes attaques sont rouges. Je peux le faire tant que je récupère des pièces. Donc toute la stratégie du jeu va être d'utiliser le Vaunt au bon moment pour se protéger, mais aussi de le faire durer. De le faire durer le plus longtemps possible de façon à bénéficier d'un boost. Donc il va falloir se servir du Vaunt, éviter les attaques ennemies, parce que vous voyez, déjà, dès le premier niveau, il y en a beaucoup. Mince, je suis mort, vous voyez. Et lorsque l'on termine une jauge de Vaunt, c'est-à-dire que lorsque j'ai utilisé mon bouc... Merde. Bon, c'est difficile de jouer et de parler en même temps. Mais bon, c'est pas grave, on a plusieurs continues. C'est, mon but, c'est pas de vous faire une prestation béton dans ce... Voilà, j'utilise mon Vaunt. Lorsque la jauge de Vaunt, malheureusement, se termine parce qu'on n'a pas réussi à récupérer assez de pièces, on gagne un bonus de points correspondant au temps qu'on a passé sous cette furie, en fait. C'est une sorte de furie, hein, le Vaunt. Parce que vous voyez, en haut, la barre diminue lorsque je ne récupère pas de pièces. Donc là, elle va tomber à 0 et je vais gagner une jauge de points. Vous voyez, 39 528 points. Ici, on a affaire au premier boss, qui est pas très compliqué. On va se mettre ici, on va essayer de récupérer le maximum de... Voilà, je peux utiliser mon Vaunt. On va l'utiliser, même si j'aurais peut-être pas dû l'utiliser maintenant. Le jeu demande beaucoup de doigté, hein, mais je veux dire, c'est comme un... C'est un beat'em all, un beat'em all. Je confonds toujours beat'em all et shoot'em up, mais juste dans les termes. Hein. Je connais les sortes de jeux, mais dans les termes, j'ai tendance à dire beat'em all. Donc pardonnez-moi d'avance si je me foire et que je dis beat'em all. Je pense bien évidemment à un shoot'em up. Donc ouais, le jeu demande énormément de doigté, hein, et c'est de plus en plus vrai en fonction de l'avancée dans les niveaux. Mais c'est voilà, c'est un petit peu le principe. Sachant que, je sais pas si vous voyez les décors, moi j'aime beaucoup, c'est très old school, hein, avec ce boss qui ressemble à Cthulhu par exemple, avec ses tentacules. Il a une barre de vie, hein, et on a un rang d'étoiles, vous voyez, en haut de la... Mince. Oula, ça y est, ça commence à se corser, il y a des boulettes de partout. La hitbox est quand même assez space, hein, des fois, mais on la comprend très vite, hein, sur le vaisseau. On peut se permettre de... Oh, mince! Je voulais claquer mon Vaunt avant. Vous voyez, j'ai foiré, le boss m'avait donné des rouages, mais j'ai un petit peu foiré. Bon, je suis en difficile aussi, hein. Je sais pas si vous voyez le décor. Non, saloperie, j'ai mal joué là. Je sais pas si vous voyez le décor derrière, mais c'est quand même super sympathique. Hop, on va claquer le Vaunt, on va un petit peu se venger tant que j'ai de la puissance là. Tac 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 tac. Ah non, j'étais... Bon, je joue très très mal, hein, là. Voilà. Les décors sont assez simples, mais le rendu est très joli. Le rendu est très très joli, ce pixel art est assez joli, et vous verrez que plus on va avancer dans les niveaux, plus les décors vont être travaillés, jolis, riches en couleurs. C'est ce qui m'intéresse dans le pixel art, c'est qu'on a souvent une profusion de couleurs qui est très intéressante, point de vue visuel, même si le jeu peut paraître désuet, point de vue graphisme, il ne l'est pas, point de vue artistique. C'est un jeu à scoring, hein, comme tous les shoot'em up. 457 954 points, 4 étoiles sur 5. J'ai absolument joué comme une quiche lorraine, mais en jouant bien, on va améliorer nos points. Et c'est le but, hein, de ce genre de jeu, c'est vraiment de se dépasser, d'essayer de faire des high scores total, de se surpasser même. Et on gagne de l'argent, vous voyez, 8056
du cas, pièce d'or en gros, que l'on va pouvoir dépenser dans cette petite boutique que je vais vous montrer tout de suite. Tac, 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 faut que je passe ce scénario, hein. Voilà, le shop, qui n'est pas un shop en ligne, hein, qui n'est pas un shop payant type Team Fortress 2. Non, non, c'est un shop qui nous permet d'acheter, vous voyez, un vaisseau, le Gunner par exemple, qui coûte 2000 points, mais aussi des modes de jeu, la Gunplate Mode, Throw Down the Gunplate, Play All the Level in the Game in One Go. Voilà, ça permet d'acheter, de faire tous les niveaux en un coup. On va acheter un vaisseau, hein, voilà. Hop, j'ai acheté le vaisseau, on va retourner en arrière, et on va se lancer donc dans le deuxième niveau, le Dark Sector, en difficulté difficile. On va mettre Ready, on va nous demander de choisir un vaisseau, et vous voyez, j'ai acheté le deuxième vaisseau, qui est le Gunner, que je ne connais pas, qu'on va essayer. Hein. Pour l'instant, les autres vaisseaux, je pense, ils demandent énormément plus de maîtrise. Donc là, c'est le voyage à travers le secteur sombre, avec Riley, ou Riley, c'est je pense le nom du héros. Ok, on se retrouve comme ça avec un... à la fois un laser et à la fois un truc comme ça que je contrôle au stick. Donc ça demande du doigté puisqu'il faut que je tourne mon stick et le tir secondaire... D'accord, le tir secondaire en fait c'est un double truc. Ah c'est pas mal, ça permet peut-être de se protéger. Par contre le tir principal est pas excessif... Ah non, merde, j'ai chié. Le tir principal est pas très très puissant. C'est un vaisseau de corps à corps parce que regardez... Oh non! Moi qui n'ai pas l'habitude, hein, je pense que ça va être difficile de jouer un vaisseau de corps à corps. Et pas le second stick. Non, je voulais voir si le second stick de la manette pouvait nous servir. On évite. On évite. Et on attaque. Non! J'aime pas ce vaisseau! Enfin, je connais pas ce vaisseau suffisamment. Bon, c'est pas grave. Hein. Pardonnez-moi, je vais pas arrêter de mourir dans cette vidéo de test, mais c'est... Je pense que si je fais un game over, je reprendrai mon vaisseau principal. Mince, j'ai claqué le Vaunt pour rien. Vous voyez, mon vaisseau a un style graphique différent. Et le style graphique qui derrière, avec le scrolling vertical, est quand même très 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 joli. Les ennemis sont assez variés, hein. Il y a beaucoup de types d'ennemis derrière. Ici, on se bat notamment contre des... je vais appeler ça des tumeurs. Des tumeurs sur les racines d'un arbre. J'ai claqué le Vaunt, on va essayer de se dépatouiller avec ça, impeccable. Ici, on va... Non, 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 non. Voilà, hop. Non. On va se dépatouiller avec ça. Ce qui fait le charme aussi, bien évidemment, de ce jeu, ce sont, vous l'entendez, les musiques, qui sont juste épiques. Mais quand je dis épiques, elles le sont. Hein. Je pense que si je trouve la BO sur le net... j'en réutiliserai volontiers certaines. Déjà, je les écouterai volontiers régulièrement, mais j'en réutiliserai volontairement certaines dans mes vidéos tests en tant que présentation parce qu'elles sont vraiment épiques. De très très bonnes compositions musicales. C'est rare d'avoir de si bonnes compositions musicales. C'est un bon mélange de styles puisqu'il colle parfaitement à l'univers du jeu, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des thèmes assez classiques dans l'âme. Combiné avec parfois des sons de trompette, donc ce petit côté un petit peu hispanique des conquistadors, mais aussi un côté un peu comme... Voilà, game over, parfait. J'ai bien fait de faire game over, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, on va choisir de niveau, le niveau, et on va prendre les Badlands. D'abord, avant ça, on va mettre... Merde. On va mettre back, on va mettre cancel. Non, je trouve plus ma souris. Voilà. Oh ! Voilà, donc back. On va mettre cancel. Et je vais un petit peu monter le son. Ça, c'est les scores. Vous voyez, il y a un tableau de score qui nous dit... qui nous donne le récap de toutes les personnes qui jouent sur le net. Hein. Donc, c'est vraiment un jeu où on va aimer à se comparer avec le score des autres. Hein. C'est le principe des beats and all. Donc, voilà, je vais aller dans les options. Je vais monter un petit peu le volume de la musique. Un tout petit peu, c'est ici, monter d'un petit cran. Si vous m'entendez mal, c'est pas très grave, je le rebaisserai après, parce que je vais vous faire écouter la musique de ce niveau, Badlands, qui est juste incroyable. J'ai pas beaucoup parlé, notamment sur les premiers temps, pour vous laisser le plaisir d'écouter cette chanson, que je trouve juste vraiment magnifique.
on va mettre ready, on va choisir le premier vaisseau avec lequel je sais à peu près jouer pour l'instant. J'ai pas fini le jeu, hein, je tiens à vous le préciser. Donc le prisonnier des Badlands, Prison Break. Ok, on est dans la série. Et c'est parti, je vous laisse écouter. Là tout de suite ça rappelle un petit peu Braid, je sais pas si vous en pensez, mais ça va très vite changer. Ça rappelle du Braid, du Prince of Persia, enfin un rythme un petit peu comme ça, oriental. Et vous allez voir après comment ça va évoluer. Avec comme ça ce son de trompette, cette petite batterie, les violons, il y a vraiment il y a un travail de composition derrière, hein, qui est assez mémorable. J'adore cette chanson, hein, je le dis direct. Ça colle parfaitement à l'ambiance du jeu. C'est assez cinématographique, hein, comme musique. Mince. Ah, il faudrait que je puisse claquer un Vaunt là. Allez, presque. Non, vite, hop, on va le claquer. On va vite se séparer de ce vaisseau qui m'emmerde depuis tout à l'heure. Impeccable. Voilà, c'est un jeu de réflexe, c'est un jeu d'anticipation. Et c'est un jeu de scoring. Et c'est aussi un plaisir pour les oreilles et pour les yeux. Hein. Ça me rappelle un petit peu ces graphismes en 2D comme ça... Ce côté très pixel noir sur les bordures, je sais pas vous, mais moi ça me rappelle un petit peu du Metal Slug. Je pense qu'il y a une inspiration derrière, hein. Notamment comme ça sur le côté très métal, justement. Les canons, les pièces mécaniques. C'est le Vaunt, impeccable. Il y a du Metal Slug, pardon, je pense. Metal Slug qui d'ailleurs est une excellente série, hein, à faire aujourd'hui. N'hésitez pas, hein, c'est pas une incitation au téléchargement illégal, mais le jeu se trouve hyper facilement en émulation sur ordinateur. N'hésitez pas à prendre toute la série, hein. C'est quelques MO, un jeu Metal Slug, ça nécessite quoi? Une petite demi-heure de jeu, hein. Ce sont pas des jeux très faciles quand on joue en difficulté normale, mais sur PC on a des continues infinies, et c'est un jeu déjanté, voilà. Vite, on esquive. Un boss, hein, totalement assez classique celui-ci, hein. Ça rappelle une nouvelle fois des jeux comme Star Fox par exemple. Comme ça on doit viser certains points, là je dois, vous l'aurez compris, vite, le vote, impeccable. Je dois viser, non, je dois pas mourir, et je dois viser les points de couleur, vite, le vote, on va l'achever. Impeccable, vite, et voilà. Pas très compliqué, hein, les premiers boss. Hein. C'est ce que je reprocherai un petit peu au jeu, c'est cette... Vous voyez, j'ai déjà fini le niveau. C'est la relative rapidité à finir un niveau. Même si le principe fait qu'on va devoir les refaire plein de fois. Et qu'on va s'imposer, voire prendre du plaisir à les refaire, de façon à augmenter son score. Enfin bon, voilà. Je vous dis, hein, moi c'est une vidéo test que je fais vraiment... Je vais pas dire par hasard, mais un coup de tête, un coup de cœur aussi, bien évidemment, sur ce jeu. N'hésitez pas, si vous êtes fan du genre, hein, allez-y, il est pas cher. On s'amuse vraiment. Si vous avez un pote en plus à portée de main, foutez-le sur un clavier ou foutez-le sur une deuxième manette. Et faites les niveaux A2, ce sont les mêmes, avec beaucoup plus d'ennemis, et c'est très sympa. Voilà, c'était Derive. Je vous dis à très vite pour un prochain vidéo test. Alors je pense que je vais faire la suite de Borderlands avec mon niveau un petit peu plus avancé. On m'envoie beaucoup de messages en me demandant « Ouais, elle est où la review de Mass Effect ?» Alors, je vous le dis tout de suite, la review de Mass Effect pardon, risque de tarder un peu. Pourquoi ? Parce que déjà, je n'ai pas fini Mass Effect 2. Et vous allez me dire, ouais mais on s'en fout de Mass Effect 2, on veut Mass Effect tout court. Et ben je vais vous dire non, parce que mon objectif en fait ce n'est pas de faire une review de Mass Effect 1, c'est de faire une review comparative de Mass Effect 1 et 2. Donc un nouveau format de vidéo, hein, que je vais pas appliquer sur tous mes tests, mais ça peut être intéressant.
de faire cette review comparative. Alors ce n'est pas mettre le jeu 1 face au jeu 2 et de dire ah là là c'était mieux ici, c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant. Non non, c'est pas du tout ça. C'est juste ça va être un test en miroir avec des changements de gameplay, des différences, et donc c'est une vidéo un peu plus longue à préparer dans la mesure où il faut que je finisse deux gros RPG, donc qui demandent beaucoup d'heures de jeu, mais aussi ça va demander un montage un peu plus important. Donc ça va arriver hein, dans les semaines qui viennent, la review de Mass Effect, mais avant je vous ferai des reviews plus simples à réaliser et à monter, comme celle de Borderlands, mais peut-être un autre jeu avant que j'ai téléchargé sur Steam justement hier soir, que je connais déjà, donc je suis pas obligé de le finir puisque je l'ai déjà fini sur un autre support. Voilà, je vous en dis pas plus, c'était De Rive, j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter et à regarder cette vidéo sur Jamestown, disponible sur Steam, Shoot Them Up et non pas Beat Them All. Attention, je vais me donner une baffe à chaque fois que je dirai ça. N'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos, sachant que le prochain abonné à l'heure actuelle où je parle sera l'abonné numéro 100, le 100e abonné. Moi ça me fait très très plaisir que des gens prennent la peine, prennent du temps de me suivre. Je vous remercie à tous et j'espère continuer sur cette lancée en vous produisant des tests de qualité sur la durée. Je me suis là fixé comme objectif d'améliorer la qualité de mes tests, notamment la qualité du montage, et je vais m'y tenir. Voilà, alors n'hésitez pas à vous abonner et à suivre mes futures vidéos. Merci tout le monde, salut.